Bonjour à tous. Jusqu'à présent, j'ai lu et écouté environ plus de 350 livres de développement personnel. Au départ, ce qui me motivait à lire, c'était l'argent. Mon objectif était de gagner 10 000 euros par mois. Les livres que j'ai lus m'ont énormément aidé à atteindre cet objectif et m'ont appris des leçons qui ont changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 de ces leçons. 1. Ne vivez pas en dessous de vos moyens. Développez vos moyens. Je crois que j'ai tiré ce conseil du livre de Robert Kiyosaki intitulé « Second Chance ». Kiyosaki dit « Si vous allez voir un planificateur financier, il vous dira d'économiser de l'argent et de réduire les dépenses, de sorte que vous cesserez d'acheter les choses que vous aimez, comme un dîner dans votre restaurant préféré. » Il dit « Pourquoi ne pas regarder l'autre côté de l'équation ? Pourquoi ne pas trouver des moyens de gagner plus d'argent pour que le prix du dîner devienne sans importance ? Réduire les dépenses tue la passion. Personne ne se réveille enthousiaste le matin en se disant « Je vais réduire les coûts ici et là pour avoir quelques euros de plus. » Réduire les coûts n'est pas motivant. Il faut toujours se concentrer sur le fait de gagner plus et au lieu de dire « Je ne peux pas me le permettre », il faut dire « Comment puis-je me le permettre ?» Dès le début, ce conseil m'a semblé très logique pour deux raisons principales. 1. J'ai réalisé que la réduction des coûts a une limite. Il n'y a qu'un nombre limité de coûts que l'on peut réduire. Numéro 2. J'ai réalisé que ma principale monnaie d'échange est mon énergie et mon temps. Je peux utiliser une heure de mon énergie pour réduire, disons, 10 euros, ou utiliser la même énergie pour gagner 100 euros. Je connais des gens qui tiennent un fichier Excel et notent chaque chose qu'ils achètent pendant la journée, qui cherchent constamment des moyens de réduire leurs dépenses, qui vont de magasin en magasin pour économiser quelques euros et qui dépensent leur volonté limitée pour ne pas acheter à 5 euros une chose qu'ils aiment. Tout cela demande beaucoup d'énergie et je pense que vous obtiendrez un bien meilleur rendement si vous investissez cette énergie pour gagner plus d'argent. Gagner plus n'est pas si effrayant. Gagner plus signifie simplement résoudre plus de problèmes. Plus vous résolvez de problèmes, plus vous gagnez d'argent. Le chemin pour gagner plus d'argent et résoudre des problèmes ressemble à ceci. Vous commencez par résoudre de petits problèmes, généralement d'ordre personnel, tels qu'un manque de connaissances sur certains sujets ou un manque de confiance en soi. Ensuite, vous passez à des problèmes plus complexes. Chaque fois que vous résolvez un problème, vous passez à un autre niveau où un autre problème attend d'être résolu. Plus vous résolvez de problèmes d'argent, plus vous devenez intelligent et plus vous gagnez. Cela fonctionne aussi à l'inverse. Plus vous ignorez de problèmes d'argent, plus vous vous appauvrissez. 2. Quel est le pire qui puisse arriver ? Cette leçon ne provient pas d'un livre de finances, mais d'un livre de développement personnel intitulé « Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre » de Dale Carnegie. Mais elle m'a été extrêmement utile dans le domaine des investissements et des affaires en général. Comme vous l'avez probablement remarqué, la majorité de nos soucis et de notre stress sont liés à l'argent. C'est le cas par exemple. Que se passera-t-il si j'investis dans cette idée commerciale et qu'elle n'aboutit pas? Et si j'investis dans cette entreprise et que je perds tout? Et si j'emprunte de l'argent sans pouvoir le rembourser? Chaque fois que j'ai ressenti de la peur et de l'inquiétude avant de prendre une décision financière, j'ai toujours posé cette question. Quel est le pire qui peut arriver si j'agis de la sorte? Selon Carnegie, les choses que nous croyons vraiment mauvaises ne le sont pas autant que nous le pensons en réalité. Je suis tout à fait d'accord avec cette opinion, et je l'ai constaté à maintes reprises dans ma propre vie. Cette question vous calme immédiatement et vous aide à voir que même le pire scénario n'est pas aussi mauvais que vous le pensez. Très souvent, on se rend compte que même si le pire des cas se produisait, on pourrait facilement s'en accommoder. Voici comment vous pouvez l'appliquer à votre propre vie. Étape 1. Analysez honnêtement la situation et déterminez le pire qui puisse arriver. Étape 2. Après avoir déterminé le pire qui puisse arriver, acceptez-le. Acceptez-le comme s'il s'était déjà produit. Étape 3. Une fois que vous avez accepté le pire résultat, consacrez calmement votre temps et votre énergie à la résolution du problème. L'acceptation de ce qui s'est passé est la première étape pour surmonter les conséquences d'un malheur. L'une des pires caractéristiques de l'inquiétude est qu'elle détruit notre capacité de concentration. Lorsque nous nous inquiétons, notre esprit saute d'un endroit à l'autre. L'acceptation nous calme et nous permet de nous concentrer sur la solution. 3. La mauvaise montagne et l'erreur des coûts irrécupérables. Imaginez que vous êtes en train d'escalader une montagne. À mi-chemin, vous regardez autour de vous et constatez que vous avez escaladé la mauvaise montagne.
La montagne que vous deviez escalader se trouve juste à côté de vous, mais vous avez fait une erreur. Pour escalader la bonne montagne, vous devez redescendre, vous reposer un peu, planifier et recommencer. Que feriez-vous maintenant? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous ne descendrez pas, même si vous savez que c'est la bonne chose à faire. Vous allez vous dire « Et puis merde, c'est nul d'être sur la mauvaise montagne, mais je ne vais pas redescendre. J'ai travaillé si dur pour arriver jusqu'ici. Je ne peux pas gâcher tout mon travail. Et la vue n'est pas si mauvaise que ça, alors je vais rester. » La raison pour laquelle la plupart d'entre nous refusent de descendre de la mauvaise montagne est due à un phénomène psychologique appelé l'erreur des coûts irrécupérables. Il s'agit d'une tendance à valoriser l'énergie que nous avons déjà investie ou l'argent que nous avons déjà dépensé et à ignorer l'énergie ou l'argent que nous perdrons à l'avenir. En d'autres termes, nous nous concentrons sur le passé plutôt que sur l'avenir. Vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo et de vous dire « Si j'étais sur cette montagne, je redescendrais et je recommencerais. » Permettez-moi de vous poser la question suivante. Vos parents voulaient que vous deveniez médecin, ingénieur ou avocat. Alors, vous avez fait ce qu'ils voulaient. Maintenant, vous êtes à mi-parcours de vos études et vous savez déjà que ce n'est pas la bonne montagne, mais vous continuez à avancer. Comment cela se fait-il? Vous occupez un emploi que vous détestez, mais vous continuez de le faire et vous le ferez probablement pour le reste de votre vie. Comment cela se fait-il? Vous êtes dans une relation dont vous savez qu'elle ne fonctionnera pas, mais vous continuez à la vivre. Vous avez arrêté de fumer et promis de ne plus le faire. Au lieu de jeter le dernier paquet, vous le cachez quelque part dans votre chambre. Vous avez déjà compris ce que je veux dire. L'erreur des coûts irrécupérables est l'un des préjugés cognitifs les plus courants et les plus dangereux dont nous sommes victimes. Le fait de le comprendre a beaucoup amélioré ma vie. C'est assez difficile, mais je fais de mon mieux pour ignorer le prix que j'ai payé ou le temps et l'énergie que j'ai dépensé, et je me rappelle que le passé est le passé et qu'il n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de la réussite future de quelque chose. Je me pose la question suivante. À partir d'aujourd'hui, sachant ce que je sais maintenant, continuerai-je à investir dans cette entreprise ou cette relation? Est-il logique de maintenir cette décision à partir d'aujourd'hui ou non? Si la réponse est non, j'arrête. Honnêtement, à chaque fois, cela a été douloureux d'arrêter. C'est douloureux de jeter tout ce travail et tout cet argent, mais à long terme, cela en valait la peine. Par exemple, à l'université, j'ai travaillé sur un projet de recherche et de développement. À l'université, j'ai travaillé sur un mémoire de diplôme pendant un semestre et demi et j'ai achevé plus de 45% du travail, mais j'ai ensuite réalisé que je n'étais pas sur la bonne montagne. J'ai prolongé mes études, jeté tout mon travail et je suis reparti de zéro. Aujourd'hui, avec le recul, cela en valait vraiment la peine. Si je ne l'avais pas fait, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo, car mon nouveau mémoire de fin d'études portait sur la création de cette chaîne YouTube, qui a été traduite dans plus de 10 langues et compte près de 4 millions d'abonnés. Il s'agissait d'un mémoire de type « business case » dans lequel j'ai cherché comment créer cette chaîne YouTube à partir de zéro et la transformer en une entreprise rentable. J'ai apprécié chaque minute de travail que j'ai consacrée à cette thèse, car je savais que je l'appliquerais dans la vie réelle. J'ai obtenu un D comme note finale pour ma thèse, mais j'ai eu l'impression d'avoir obtenu un A. Ne vous méprenez pas, je n'essaie pas de me vanter ou quoi que ce soit d'autre. J'essaie seulement de vous donner un exemple concret et de vous montrer les belles choses qui peuvent arriver si vous ignorez le coût que vous avez encouru et décidez d'escalader une nouvelle montagne. 4. Différence entre l'actif et le passif. Comme beaucoup de lecteurs débutants, l'un des premiers livres de finances que j'ai lu était « Père riche, père pauvre ». La leçon la plus importante que j'ai retenue est la différence entre l'actif et le passif. Rich Dad a défini un actif comme quelque chose qui met de l'argent dans votre poche et un passif comme quelque chose qui retire de l'argent de votre poche. Cette leçon est extrêmement simple, mais difficile à appliquer dans la vie réelle. Rich Dad a dit que devenir riche est facile, il suffit de faire une chose, acheter plus d'actifs. C'est tout, si vous faites cela, vous deviendrez riche. Après avoir lu le livre, j'ai pris conscience de chacun de mes achats et je me suis concentrée sur l'acquisition de nouveaux biens. L'un des actifs que j'ai acheté était une propriété immobilière qui générait environ 40 euros de flux de trésorerie positif. À l'époque, j'étais nouveau sur YouTube, mais j'avais déjà quelques vidéos à succès et je gagnais de l'argent grâce à ma chaîne. Un jour, j'ai regardé mes gains et j'ai vu que l'une des vidéos rapportait environ 40 euros par mois de façon constante. Cela a été un moment de réveil pour moi, car j'ai réalisé que chaque vidéo que je crée est un actif, c'est un immobilier numérique qui produit un flux de trésorerie positif chaque mois.
Le bien immobilier et la vidéo produisent en moyenne 40 euros par mois. Mais j'ai passé plusieurs mois à acheter le bien immobilier et cela m'a coûté 12 000 euros juste en acompte. D'un autre côté, la production de cette vidéo ne m'a coûté que quelques centaines d'euros et j'ai adoré chaque instant de sa création. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre YouTube au sérieux et à considérer chaque vidéo comme un bien immobilier numérique. Bien entendu, cela m'a amené à créer de plus en plus de vidéos et de chaînes dans différentes langues. 5. Lorsqu'il s'agit d'argent, il est stupide de s'en remettre à la volonté. Automatisez plutôt. Il y a quelques années, j'ai rencontré mon directeur à la banque pour obtenir une carte de crédit. Si vous utilisez une carte de crédit, vous savez probablement que les taux d'intérêt sont assez élevés sur les cartes de crédit. Tant que tu rembourses dans un certain délai, il n'y a pas d'intérêt à payer. Mais si tu ne respectes pas la période de gratuité, tu devras payer des intérêts très élevés. Mon directeur m'a donc mis en garde à ce sujet. Il m'a dit « Vous aviez deux options pour rembourser l'argent. La première est la moins chère, consiste à programmer une notification sur votre calendrier pour le jour exact de chaque mois et à payer manuellement. Vous n'aurez qu'à appuyer sur un bouton et l'argent sera transféré. C'est tellement simple que vous n'avez même pas besoin d'indiquer le numéro de compte. Il vous suffit de programmer un rappel sur votre calendrier et d'appuyer sur le bouton 1. La deuxième option est de choisir une date et l'argent sera automatiquement déduit, mais ce système automatique vous coûtera environ 3 euros par mois. Il a ajouté « À mon avis, la meilleure option est la première. Elle est gratuite et très facile à mettre en œuvre. Cela n'a pas de sens de payer pour cela. Il suffit de programmer un rappel sur votre calendrier à la même date chaque mois et de cliquer simplement sur un bouton de votre application mobile. J'ai donc accepté et fait ce qu'il m'a recommandé en pensant que payer 3 euros par mois n'est pas nécessaire quand je peux le faire gratuitement. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Au cours des 6 mois suivants, j'ai oublié d'appuyer sur ce simple bouton et j'ai payé deux fois des intérêts, une fois pour 50 euros et la seconde fois pour 60 euros. Malgré la notification du calendrier et la facilité de paiement, j'ai quand même oublié de le faire. Par exemple, une fois, lorsque la notification est arrivée, j'étais au milieu de quelque chose d'important et je me suis dit que je le ferais plus tard, et ce plus tard n'est jamais arrivé. Après le deuxième paiement d'intérêt, j'ai envoyé un email à mon interlocuteur pour lui demander de le rendre automatique. Il m'a encore une fois prévenu des frais de 3 euros, mais j'ai déjà appris ma leçon et c'est la suivante. Lorsqu'il s'agit de votre argent, qu'il s'agisse d'investir, d'épargner pour des vacances, de rembourser des dettes ou autres, si vous ne le rendez pas automatique, cela ne se produira tout simplement pas. Peu importe la force de votre volonté ou votre discipline, vous échouerez. Cette leçon est restée gravée dans ma mémoire et aujourd'hui, je fais de mon mieux pour rendre les choses automatiques. Pas seulement en matière de finances, mais aussi dans d'autres domaines, car je sais que compter sur la volonté ne marchera pas. Lorsqu'il s'agit d'argent, la psychologie et les émotions représentent probablement plus de 90% du travail. La beauté de l'automatisation est qu'elle élimine la plupart des résistances émotionnelles et psychologiques. Vous le réglez une fois et vous l'oubliez. Faites donc une faveur à votre futur moi et rendez les choses automatiques. 6. Coûts pour gagner plus d'argent. Tout a un prix, mais tous les prix ne figurent pas sur les étiquettes. Je comprends que vous souhaitiez gagner beaucoup d'argent, être votre propre patron et avoir une entreprise prospère un jour, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de vouloir tout cela et de se lancer sans comprendre le prix à payer. Voilà ce que je veux dire. Imaginez que je vienne vous demander si vous aimeriez devenir un combattant professionnel de MMA et combattre dans l'UFC. Vous penseriez probablement que ce serait formidable d'avoir des compétences de combat comme ces gars-là et d'être en grande forme physique. Mais après y avoir réfléchi, il est fort probable que vous refusiez mon offre. La raison en est que vous comprenez qu'il vous faudra énormément de travail, de temps et probablement plusieurs blessures graves pour devenir un combattant moyen, sans parler de devenir un professionnel. Vous déclinez l'offre parce que vous ne voulez pas passer 5 à 6 heures à la salle de sport tous les jours, parfois deux fois par jour. Vous n'avez pas envie de suivre un régime et de manger des aliments insipides pendant la majeure partie de votre vie. Vous ne voulez pas vous disputer avec votre partenaire parce que vous ne passez pas de temps avec lui. Vous ne voulez tout simplement pas faire tous ces sacrifices. Le prix à payer pour devenir un combattant MMA est trop élevé et vous ne voulez pas le payer. Personne ne vous traitera de fou ou de lâche pour avoir décliné cette offre, car la plupart des gens comprennent que le prix est trop élevé. L'exemple que je viens de donner s'applique au fait de devenir chef d'entreprise et de gagner beaucoup d'argent. Le coût est élevé. Devenir un chef d'entreprise prospère, c'est comme devenir un grand boxeur, un écrivain, un chanteur ou un médecin.
La plupart d'entre nous savent qu'il faut des années de travail acharné et d'études pour devenir un médecin moyen, mais nous n'appliquons pas la même logique pour gagner plus d'argent. Nous nous attendons à ce que ce soit rapide et facile. Nous nous attendons à ce que ce soit indolore. Par exemple, on ne s'attendrait pas à ce qu'un homme avec de l'embonpoint sans expérience de la boxe gagne un combat contre un boxeur expérimenté. Mais c'est ce que font la plupart d'entre nous lorsqu'il s'agit de créer une entreprise. La plupart d'entre nous n'a jamais créé d'entreprise ni appris à le faire à l'école. La plupart d'entre nous viennent de familles qui ont des compétences financières et commerciales très limitées. Nous sommes comme ce type en surpoids, mais nous nous attendons à commencer le combat, à donner quelques coups de poing et à mettre KO l'adversaire expérimenté. C'est pourquoi la plupart des gens créent une entreprise et, après quelques échecs, abandonnent en accusant l'économie ou la concurrence. La vérité est qu'ils n'ont pas compris le coût et qu'ils n'étaient pas prêts à le payer. Si vous voulez démarrer quelque chose, déterminez d'abord quel en est le coût et si vous êtes vraiment prêt à le payer. Le fait de comprendre ce coût m'a permis de ne pas abandonner très vite et de m'accommoder d'une progression lente. Lorsque vous savez que ce que vous faites a un coût élevé, vous n'abandonnez pas après quelques échecs. Lorsque vous comprenez le coût, vous réalisez que vous devez créer un déséquilibre dans votre vie et sacrifier votre famille, vos amis et votre temps libre pour payer ce prix. 7. S'enrichir jeune. Vous avez peut-être déjà vu cette photo. Il s'agit d'un vieux couple en vacances. Malheureusement, ils sont tellement fatigués qu'ils ne peuvent même pas profiter de leur excursion en bateau. Ne vous méprenez pas, je ne me moque pas de ce couple. Je montre cette photo parce qu'elle m'a servi de rappel important au fil des années. Voici ce que je veux dire. Lorsque j'ai commencé à lire des ouvrages sur les finances personnelles et l'investissement, j'ai toujours reçu ce conseil. Si vous économisez une petite somme, par exemple 5 euros par jour, et que vous l'investissez à long terme, vous disposerez de plus d'un million d'euros dans 40 ans, ce qui est vrai et tout à fait logique. Mais je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange et contradictoire à chaque fois que je lisais ce genre de conseil. Tout d'abord, je m'enthousiasmais à l'idée d'investir une petite somme et de disposer d'un million d'euros, mais je me souviens qu'après ce bref moment d'excitation, je m'énervais. Je me disais « D'accord, j'aurai des millions d'euros, mais je serai vieux ? Est-ce que je veux être riche alors que je suis en fauteuil roulant ? Est-ce que je veux partir en vacances mais n'avoir aucune énergie et m'endormir ? Je voulais un million d'euros mais pas à 70 ans ! Je voulais une belle voiture mais pas quand je serai vieux et que j'aurai besoin d'une assistance physique pour m'asseoir dans cette voiture ! » Enfin, un jour, je suis tombée sur un livre intitulé « La voie rapide du millionnaire » écrit par MJ DeMarco, qui a complètement changé ma vie. Ce livre parle de devenir riche rapidement et de prendre une retraite anticipée en créant une entreprise, en inventant quelque chose ou simplement en créant des choses qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent quand vous êtes jeune. Je sais que l'expression « devenir riche rapidement » a une connotation d'escroquerie, mais lorsque l'auteur parle de devenir riche rapidement, il ne veut pas dire devenir riche en quelques semaines ou en quelques mois. Par exemple, si vous créez une entreprise, vous pouvez y travailler pendant 5 ou 10 ans, mais une fois que vous aurez réussi, vous n'aurez plus jamais à travailler de votre vie. C'est ce qu'il appelle s'enrichir rapidement. Et si vous regardez bien, 10 ans, c'est rapide comparé à 40 ans d'investissement. Même s'il s'agit de l'un de mes livres préférés et que je le recommande toujours, il y a une chose que je n'aime pas dans ce livre, c'est qu'il se moque un peu de l'investissement à long terme. Comme je l'ai dit précédemment, la création d'une entreprise a un coût, et certaines personnes sont parfaitement satisfaites de leur travail et ne veulent pas du stress et de la responsabilité d'avoir quelque chose de grand. Pour ces personnes, avoir un salaire moyen et investir 5 euros par jour pendant 40 ans peut être une bonne option. C'est ce que je fais personnellement, mais je ne compte pas sur cela pour devenir riche un jour. Je pense que tout dépend de ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez prendre une retraite anticipée et ne plus jamais travailler de votre vie, lisez ce livre. En revanche, si vous êtes satisfait de votre emploi et de vos investissements à long terme, restez où vous êtes. Mais gardez à l'esprit que les intérêts composés opèrent leur magie à la fin de la période. Par exemple, 90% de la richesse de Warren Buffett a été accumulée après l'âge de 50 ans. La compétence de Warren Buffett est l'investissement, mais son secret est le temps. Il investit depuis qu'il est tout jeune. 8. Pensez grand. Lorsque j'étais à l'université, j'avais un camarade de classe qui parlait toujours de l'importance d'être réaliste dans la vie. Lorsqu'il voyait quelqu'un entreprendre une action importante ou rêver de grands objectifs, il lui rappelait de revenir à la réalité. Par exemple, lorsque certains de nos camarades de classe parlaient d'aller aux États-Unis et d'y étudier, il leur disait rapidement « Allez, soyez réaliste! Vous êtes fauchés et vous ne pouvez même pas vous présenter en anglais, comment allez-vous étudier là-bas ? »
Ce n'était pas seulement avec les autres, il était comme ça avec lui-même aussi. Par exemple, il disait des choses comme « Je sais que je ne conduirai jamais une Mercedes de luxe et que je n'aurai jamais 1 million d'euros sur mon compte en banque. Ne vous méprenez pas, ce n'était pas un mauvais garçon. Au contraire, c'était un ami gentil et fiable. C'était le genre d'ami à qui l'on pouvait emprunter de l'argent les mauvais jours ou emprunter sa veste pour un événement spécial. Le seul problème, c'est qu'il était un petit penseur. Il ne s'autorisait même pas à rêver de grandes choses. David Schwartz, l'auteur du livre « La magie de penser grand », affirme que les grands penseurs voient ce qui est possible, ce qui peut être fait dans leur vie, et pas seulement ce qu'est leur vie en ce moment. En revanche, les petits penseurs ne voient que ce qui se trouve devant eux, et rien d'autre. Un petit penseur regardera une vieille maison et dira « C'est une vieille maison en très mauvais état, elle ne se vendra donc que pour 50 000 euros. » En revanche, un grand penseur regardera la même maison et dira « Oui, c'est une vieille maison, mais je peux planter des arbres autour de la maison, nettoyer la cour, faire des travaux de rénovation et la vendre pour 100 000 euros. » En d'autres termes, l'un voit ce qui est et l'autre voit ce qui est possible. La plupart des gens ne peuvent pas voir grand, ils ne se permettent même pas de rêver à de grandes choses. Je ne dis pas qu'en pensant grand, tout ira bien. Pas du tout. Penser grand n'est que la première étape et il y a probablement 100 autres étapes après cela. Par exemple, disons que vous gagnez maintenant 1000 euros par mois et que vous commencez à fixer de grands objectifs. Votre premier grand objectif est donc de gagner 10 000 euros par mois. Dès que vous aurez fixé cet objectif et commencé à voir grand, il vous guidera vers votre destination, comme un GPS. Bientôt, votre comportement changera et vous commencerez à faire des choses différentes. Vous commencerez à lire des livres différents, vous commencerez à regarder des vidéos différentes et vous commencerez à dire non à certains amis. Penser grand conduira à faire de grandes choses et faire de grandes choses conduira à avoir de grandes choses. D'abord, vous devenez la grande personne que vous voulez devenir. Ensuite, vous faites les choses que la grande personne fait et ensuite seulement, vous avez les choses que la grande personne a. La plupart des gens pensent que c'est le contraire qui est vrai. Ils disent « Donnez-moi d'abord les 10 000 euros par mois, puis je commencerai à faire les choses que la personne qui a un revenu de 10 000 euros par mois ferait, et seulement alors je deviendrai cette personne. » Cela ne fonctionne pas comme ça. Vous devez d'abord devenir cette personne, et ensuite seulement le reste viendra, et cela ne peut pas arriver si vous ne vous permettez pas de voir grand. J'ai personnellement appris 2 leçons importantes sur la façon de voir grand. 1. J'ai découvert que beaucoup de grands objectifs sont plus faciles à atteindre que les petits objectifs parce que, lorsque vous vous fixez de grands objectifs, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas les atteindre seul et que vous devez impliquer d'autres personnes. Vous devez utiliser les connaissances et l'expertise d'autres personnes, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles à réaliser. En revanche, lorsque vous vous fixez de petits objectifs, vous ne pensez qu'à ce que vous pouvez faire vous-même. 2. J'ai réalisé que les grands objectifs que je pensais importants ne l'étaient pas tant que ça et que les problèmes que je pensais être gros ne l'étaient pas, j'étais juste trop petit. 9. L'argent équivaut à l'énergie vitale. Vicky Robbins, l'auteur du livre « Votre argent ou votre vie » dit que la plupart d'entre nous croient que notre travail soutient notre vie. Mais en réalité, le travail devient notre vie entière. La plupart d'entre nous passent bien plus de 40 heures par semaine à travailler pour gagner de l'argent. Par exemple, nous devons prendre le temps de nous habiller pour notre travail, de nous y rendre et de penser à notre travail au bureau et à la maison. Nous devons passer nos soirées et nos week-ends à nous divertir pour oublier notre travail et nous détendre. La quasi-totalité de notre vie est conçue autour de notre travail et la raison pour laquelle nous travaillons est de gagner de l'argent. Lorsque vous regardez les choses de cette manière, vous vous rendez vite compte que vous vendez votre vie pour de l'argent. L'argent est égal à l'énergie vitale. Lorsque j'ai commencé à considérer l'argent comme mon énergie vitale, j'ai commencé à prendre conscience de la façon dont je le dépensais. Chaque fois que je voulais acheter quelque chose, je devais me demander si cela valait mon énergie vitale. J'ai commencé à voir les prix non pas en euros ou en dollars, mais en heures ou en semaines de ma vie. Par exemple, le nouveau téléphone que je voulais acheter ne valait plus 800 euros, mais un mois de ma vie passée dans un emploi que je n'aimais pas. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez qu'il s'agit simplement de vous forcer à vous sentir coupable de chaque achat pour ne pas le faire. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque vous considérez votre argent comme votre énergie vitale, vous lui accordez soudain plus de valeur. Et lorsque vous lui accordez plus de valeur, vous commencez à le dépenser pour les choses que vous voulez vraiment, au lieu de le dépenser pour une deuxième paire de chaussures que vous ne porterez probablement qu'une seule fois. Voici une question pour vous. Quel est le prix de votre énergie vitale? Combien vaut vraiment chaque heure de votre vie?
La méthode traditionnelle de calcul consiste simplement à prendre le montant de votre salaire net et à le diviser par le nombre d'heures que vous devez travailler. Par exemple, si vous travaillez 160 heures par mois et que votre salaire mensuel net est de 500, il faut diviser 500 par 160, ce qui donne 3,125 euros par heure. Mais ce n'est pas si simple. Pour calculer votre salaire horaire réel, vous devez prendre en compte d'autres facteurs, tels que le temps et l'argent que vous utilisez pour tout ce qui concerne votre travail. Pensez à tout l'argent que vous devez dépenser pour conserver votre emploi, comme les charges de transport, les coûts des repas pris à l'extérieur, le coût de la vie dans une ville chère parce que c'est là que se trouve votre emploi, et les frais médicaux dus au stress liés au travail. Vous devez déduire toutes ces dépenses liées à votre emploi. C'est ainsi que vous saurez ce que vous gagnez pour chaque heure d'énergie de votre vie. 10. Créez votre propre chance. Plus le temps passe, moins je crois au pouvoir de la chance dans les affaires. Très souvent, ce que les gens appellent la chance n'est que le résultat de nombreuses actions. Par exemple, supposons que vous et moi soyons à la recherche d'un immeuble de rapport à acheter. Je vais visiter 10 appartements, mais vous en visitez 100. À votre avis, qui aura de la chance? Bien sûr, vous serez plus chanceux, mais de l'extérieur, vous aurez l'impression d'être tombé sur un excellent bien et de l'avoir acheté. Plus vous agissez, plus vous avez de chances d'être chanceux. Les personnes qui agissent ont plus de chance parce qu'elles créent leur propre chance. Cette leçon m'a encouragée à essayer beaucoup de choses et à accepter que la plupart d'entre elles ne fonctionnent pas. J'ai appris que l'on peut se tromper la plupart du temps et réussir malgré tout. Par exemple, Warren Buffett a admis avoir détenu des actions dans plus de 400 entreprises différentes au cours de sa vie. Mais les gains les plus importants ont été réalisés dans seulement 10 d'entre elles. De nombreuses grandes entreprises ont également compris cette réalité. Par exemple, si vous passez en revue toutes les séries produites par Netflix, vous constaterez que seules quelques-unes d'entre elles ont connu un succès important. En prenant conscience de cette réalité, vous pouvez accepter qu'il est normal que de nombreuses choses échouent ou tournent mal. Parfois, il suffit d'une idée, d'un livre, d'une phrase, d'une personne ou d'une vidéo pour changer votre vie. Les autres personnes qui regardent de l'extérieur penseront que vous avez eu de la chance et que vous avez rencontré cette personne qui vous a aidé à réussir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous avez probablement contacté plus de 50 personnes avant de tomber sur cette personne. Vous avez créé votre propre chance. C'était la dernière leçon, mais j'ai encore une leçon bonus en guise de conclusion à tout ce que nous avons dit dans cette vidéo. Au début de la vidéo, j'ai dit que j'avais commencé à lire parce que je voulais gagner plus d'argent. Mais une fois que j'ai commencé le voyage, j'ai réalisé que ce n'avait pas grand-chose à voir avec l'argent. Cela va bien plus loin que ça. Par exemple, lorsque vous commencez à travailler 15 heures par jour pour gagner plus d'argent, vous vous rendrez vite compte que vous restez assis dans votre chambre toute la journée et que votre corps et votre cerveau s'affaiblissent. Vous commencez donc à faire de l'exercice régulièrement, et une fois que vous avez commencé à faire de l'exercice, vous vous rendez compte que vous devez également modifier votre régime alimentaire et votre sommeil. Vous ne pouvez pas manger de la malbouffe en permanence et vous coucher tard tout en continuant à travailler 15 heures par jour. Un jour, en rentrant de la salle de sport, vous regardez votre chambre et vous vous dites « Je n'arrive pas à croire que je vis et travaille dans ce désordre ». Les choses commencent à s'améliorer, mais pour une raison ou une autre, vous êtes toujours négatif et malheureux. C'est à ce moment-là que vous commencez à prêter plus d'attention à la voix dans votre tête qui ne se tait jamais. Vous commencez donc à apprendre la méditation et à contrôler ce colocataire fou qui vit dans votre tête. Vous vous moquiez des gens qui parlaient de la spiritualité et de la méditation, mais maintenant vous méditez vous-même. Vous apprenez à vous contrôler et à maîtriser vos émotions. Vous aviez l'habitude de vous mettre en colère et de vous énerver pour chaque connerie que quelqu'un disait ou faisait, mais maintenant vous laissez tomber. Vous prenez de nouvelles habitudes et vous abandonnez les mauvaises, comme la cigarette. Maintenant que vous ne fumez plus, vous arrêtez aussi de fréquenter certains amis. Très vite, vous commencez à marcher et à parler différemment. Vous prenez confiance en vous et vous cessez de porter des t-shirts ou des jeans trop larges comme un adolescent de 11 ans. Vous commencez à bien vous habiller parce que vous comprenez l'importance de la première impression dans la communication lorsque vous rencontrez de nouveaux partenaires commerciaux. Les années passent et vous continuez à vous améliorer. Un jour, vous vous retournez et constatez que vous avez atteint votre objectif financier, mais la personne qui se tient derrière la ligne d'arrivée n'est plus la même. Vous êtes devenu une personne différente, tant sur le plan mental que physique. Vous avez subi une transformation personnelle complète. C'est à ce moment-là que vous réalisez que ce que vous avez accompli est bien plus important que l'argent et n'a pas grand-chose à voir avec l'argent. C'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes novice en matière de livres et de développement personnel, consultez les deux listes de lecture que vous voyez à l'écran. Le résumé des livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo se trouve à gauche de votre écran
et le résumé de tous les livres que j'ai résumés se trouve à droite. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de l'avoir regardée. Passez une excellente journée. À bientôt!